Charmante Élise. Vous devenez mélancolique. Après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi. Je vous vois soupirer. Hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Non! Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraînée par une trop douce puissance. Et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer, un peu plus que je ne devrais. Hé, hey, que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe payent le plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Ah, ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter. Et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu'on pourra me donner. Mais pourquoi cette inquiétude? Je n'aurai rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite, appuyé du secours d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir au regard l'un de l'autre, cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes. Ces soins, pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau, et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n'ont rebuté, et qui vous faisant négliger les parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, et tient en ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Et que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère, en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret? On ne peut pas ménager l'un et l'autre. Et l'esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Viens, je me retire. Profitez de ce temps pour lui parler et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos. Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. De vous trouver seule, ma sœur. Et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà, mon frère, prête à vous ouïr. Qu'avez-vous à me dire? Eh bien, des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père.
et que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire. Car enfin, mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne me point faire de remontrances. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolu, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas! Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Hélas, mon frère, ne parlons point de ma sagesse. Il n'est personne qui n'en manque, du moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Plutôt ciel que votre âme comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire. Et me dites, qui est celle que vous aimez? Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers. Et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable. Et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille. Et concevez quel déplaisir sommeil de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oui, je conçois assez, mon frère. Quel doit être votre chagrin? Ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous? Que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Et que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? Et si pour m'entretenir même, il faut que maintenant je m'engage de tous côtés, si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands pour avoir moyen de porter des habits raisonnables. Enfin, j'ai voulu vous parler pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère. J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu pour nous achever notre confidence, et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Allons, que l'on rétale de chez moi, maître juré Filou, vrai gibier de Pandore. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense sauf correction qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandore, à me demander des raisons. Sors vite, que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sors. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue, et ne sois pas dans ma maison planté tout droit comme un piquet à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux pas t'avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires. Un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable?
quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit. Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Me voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serait-il point homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin! Je ne dis pas cela! J'enrage! Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici. Encore une fois! Eh bien, je sors. Attends! Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Eh bien ça, que je vois. Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres. Les autres? Oui. Et voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez-vous-même. Ces grands hauts choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe, et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint, et que j'aurais de joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux! Comment? Que dis-tu? Ce que je dis. Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et de qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains! Et des ladres! Mais qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut! Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela! Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons. Rends-le-moi, sac fouillé. Quoi? Ce que tu m'as pris? Mais je ne vous ai rien fait du tout! Assurément! Assurément. Adieu. Va-t'en à tous les diables! Me voilà fort bien congé. Je te le mets sur ta conscience, au moins! Voilà un pendard de valet qui vient comme un fort! Je ne plais point à voir ce chien de boîte-là. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent, et bien heureux qui a tout son fait bien placé et ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle, car pour moi les coffres-forts me sont suspects et je ne veux jamais m'y fier. Je les tiens justement une franche amorce à voleur. C'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Pardon. Je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or chez soi est une somme assez. Je me serais trahi moi-même, la chaleur m'aura emporté, je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Qu'est-ce? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là. Quoi?
ce que je viens de dire. Non, si fait, si fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez oui quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qui peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers. Et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus? Nous n'entrons point dans vos affaires. Plût à Dieu que je les eusse, 10 000 écus. Je ne crois pas que... Ce serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des choses... J'en aurais bon besoin. Je pense que... Cela m'accommoderait fort. Vous êtes... Et je ne me plaindrai pas comme je fais. Que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? J'ai assez de biens? Ceux qui le disent en ont menti. Il n'y a rien de plus faux, et ce sont des coquins qu'il faut courir tous ces bruits-là. Vous mettez point en colère. Cela est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Mais c'est être votre ennemi que de dire que vous avez du bien. Oui, de pareils discours. Et les dépenses que vous faites seront en cause qu'un de ces jours on me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est encore pis. Voilà qui crie vengeance au ciel. Et à vous prendre, depuis les pieds jusqu'à la tête, il y aurait de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis. Et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Comment vous dérober? Que sais-je? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi? Mon père sait que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait! Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter. Et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez, afin de le trouver un jour. Je voudrais bien savoir... Sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête? Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher à autre chose? Il est bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques lorsqu'on peut porter des cheveux de sang cru qui ne coûtent rien! Je vais gager qu'en perruque et ruban, il y a du moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année 18 livres, 6 sols, 8 deniers. À ne les placer qu'au denier 12. Vous avez raison. Laissons cela. Parlons d'autre chose. Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchons donc, mon frère et moi. À qui parlera le premier? Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père! Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon que vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient point d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un mot. Avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Sa physionomie? Tout honnête et pleine d'esprit. Son air et sa manière?
admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songeât à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable. Très souhaitable. Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage. Sans doute. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle. Assurément. Il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Là, mon père, le bien est inconsidérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. 60 ans. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolu de l'épouser. Pourvu que j'y trouve quelque bien. Comment? Vous êtes résolu, dites-vous? Mais d'épouser Marianne. Qui, vous? Vous? Mais oui, moi. Oh. Oh, oh. Oh. Je veux dire cela. Il m'a pris tout à coup un éblouissement. Et je me retire d'ici. Ça ne sera rien. Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire. Voilà de mes dames oiseaux floués qui n'ont non plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme! Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans, et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père! S'il vous plaît! Et moi? Ma petite fille? Mamie? Je veux que vous vous mariez. S'il vous plaît! Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai pas. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir! Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non! Si. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose, vous ne me réduirez point. C'est une chose que je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace, a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est à partir où il n'y a rien à redire et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà ma mère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juge de cette affaire? J'y consens. Te rendras-tu à son jugement? Oui! J'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Ici, Valère. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non. Mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis. Oui. Et quoi? Je dis que, dans le fond, je suis de votre sentiment. Et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait? Comment? Le Seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme. Qui est noble, doux, posé, sage et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Ça aurait-elle mieux rencontré? Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipité les choses et qu'il faudrait au moins quelque temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec... C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Et je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverais pas. Et il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Ah, je ne dis plus rien.
Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante, il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Ah, oui. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire, qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans dot ! Vous avez raison. Voilà qui décide tout. Cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard, et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sardot. Ah, il n'y a pas de réplique à cela. On le sait bien. Qui diantre peut aller la contre? Ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui auraient mieux ménager la satisfaction de la fille que l'argent qu'il pourrait donner, qui ne les voudrait point sacrifier à l'intérêt et chercherait plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie, et que... Sans dot. Il est vrai. Cela ferme la bouche à tout. Sans dot. Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Ouais. Il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce pas qu'on en voudrait à mon argent? Ne bougez. Je reviens tout à l'heure. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites? C'est pour ne point l'aigrir et pour en venir mieux à bout. Heurter de fond ses sentiments est le moyen de tout gâter. Et il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant. Des tempéraments ennemis de toute résistance, des naturels rétifs que la vérité fait cabrer, qui toujours se roidissent contre le droit chemin de la raison, et qu'on ne mène qu'en tournant où l'on veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut. Vous en tiendrez mieux, ça vous fait. Mais ce mariage, Valère! On cherchera des biais pour le rompre. Mais quelle invention trouver s'il se doit conclure ce soir? Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Mais on découvrira la fin de si l'on appelle des médecins. Vous moquez-vous, ils connaissent-ils quelque chose? Allez, allez. Vous pourrez avec eux voir quel mal il vous plaira et vous trouveront des raisons pour vous dire tout cela bien. Ce n'est rien, Dieu merci. Enfin, notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour réalise, est capable d'une fermeté... Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut pas qu'elle regarde comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de sans dot se rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà bien parlé, cela. Monsieur... Je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends l'hardiesse de lui parler comme je fais. Et comment, j'en suis ravi. Et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, tu as beau fuir. Je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résiste à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Tu m'obligeras, certes. Il est bon de lui tenir un peu l'abri de haut. Mais cela est vrai, il faut... Ne vous mettez pas en peine. Je crois que j'en viendrai à bout. Fais. Je m'en vais faire un petit tour en ville. Et je reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qui vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit pouvoir regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Et sans dot tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d'honneur, de sagesse et de probité. Ah, le brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors, malgré moi. Et j'ai couru le risque d'être battu. Mais comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu,
J'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père ? Amoureux ? Oui. J'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble de cette nouvelle, mamie ! Lui ! Se mêler d'aimer ! Oh, de quoi diable s'agit-il ? Se moque-t-il du monde ? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui ? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête. Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour ? Pour lui donner moins de soupçons. Et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse a-t-on faite ? Ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. Et il faut essuyer d'étranges choses lorsqu'on en est réduit à passer comme vous par les mains des fesses Mathieu. L'affaire ne souffre point ? Pardonnez-moi. Notre maître Simon, le courtier qu'on vous a donné, homme agissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous. Et il assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur. J'aurai les 15 000 francs que je demande. Oui. Mais à quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez, si vous avez dessein que les choses se fassent. A-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent ? Ah, vraiment, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous. Et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez. On ne veut point du tout dire son nom. Et l'on doit aujourd'hui l'aboucher avec vous dans une maison empruntée pour être instruit par votre bouche de votre bien et de votre famille. Et je ne doute pas que le seul nom de votre père me rende les choses faciles. Et principalement notre mère étant morte, dont on ne peut noter le bien. Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur pour vous être montrés avant que de rien faire. Supposez que le prêteur voit toutes ses sûretés et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras, on fera une bonne et exacte obligation par-devant un notaire le plus honnête homme qu'il se pourra, et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au denier 18 ? Parbleu, voilà qui est honnête, il n'y a pas lieu de se plaindre. C'est vrai. Mais comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre. Sur le pied du denier 5, il conviendra que le dit premier emprunteur paye cet intérêt, sans préjudice du reste, attendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt. Tout le monde, diable ! Quel juif, quel arabe est-ce là ? C'est plus qu'au denier 4 ! C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Vous avez à voir là-dessus. Que veux-tu que je voie ? J'ai besoin d'argent. Il faut bien que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Il y a encore quelque chose ? Ce n'est plus qu'un petit article. Des 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et pour les 1 000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes et bijoux dont s'ensuit le mémoire, et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été possible. Que veut dire cela ? Écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds à bande de points de Hongrie, appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive, avec 6 chaises et la courte pointe de même, le tout bien conditionné et doublé d'un petit taffetas changeant rouge et bleu. Plus un pavillon à queue d'une bonne serge de mâle rose sèche, avec le mollet et les franges de soie. Que veut-il que je fasse de cela ? Attendez. Plus une tenture de tapisserie des amours de Gombeau et de Massé, plus une grande table de bois de noyer à 12 colonnes ou piliers tournés qui se tirent par les deux bouts et garnis par le dessous de ces 6 escabelles. Que j'affaire, morbleu ! Donnez-vous patience.
plus 3 gros mousquets tout garnis de nacre de perles avec les 3 fourchettes assortissantes, plus 1 fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients fort utiles à ceux qui sont curieux de distiller. J'enrage plus 1 luth de Bologne garni de toutes ses cordes, ou peu s'en faut. Plus 1 trou madame et 1 damier avec 1 jeu de loi renouvelé des Grecs, fort propre à passer le temps lorsque l'on n'a que faire, plus une peau d'un lézard de 3 pieds et demi remplie de foin, curiosité agréable pour pendre au plancher d'une chambre. Le tout ci-dessus mentionné valant loyalement plus de 4500 livres et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Que la peste l'étouffe avec sa discrétion. Le traître, le bourreau qu'il est, a-t-on jamais parlé d'une usure semblable? Et n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre, pour 3000 livres, les vieux regatons qu'il ramasse? Je n'aurai pas 200 écus de tout cela. Et cependant, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut. Car il est en état de me faire tout accepter. Et il me tient le scélérat, le poignard sur la gorge. Je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise, dans le grand chemin, justement, que tenait Panurge pour se ruiner, prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu que j'y fasse? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et l'on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent. Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilanie le plus posé homme du monde. Je n'ai pas, Dieu merci, des inclinations fort patibulaires. Et parmi mes confrères que je vois se mêler de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler prudemment de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle. Mais à vous dire vrai, il me donnerait par ses procédés des tentations de le voler. Et je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Donne-moi un peu ce mémoire que je le vois encore. Oui. Monsieur, c'est un... jeune homme qui a besoin d'argent, ses affaires le pressent d'en trouver. Et il en passera par tout ce que vous en prescrivez. Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y ait rien à péricliter? Et savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez? Non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond. Et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais vous saurez de toutes choses et éclairci par lui-même, et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche, riche, qu'il n'a plus de mère déjà, et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit 8 mois. C'est quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Et cela s'entend. Que veut dire ceci? Notre maître Simon qui parle à votre père! Y aurait-on appris qui je suis et serais-tu pour nous trahir? Ah, vous êtes bien pressé! Qui vous a dit que c'était séant? Ce n'est pas moi, monsieur, au moins, qui aurait découvert votre nom et votre logis. Mais à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes. Et vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Comment? Monsieur, il n'y a personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment, Bandard? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités? Comment? Mon père?
C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions? C'est toi qui t'es ruiné par des emprunts incondamnables? C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures, c'est criminel! Oses-tu bien après cela apparaître devant moi? Osez-vous bien après cela vous présenter aux yeux du monde? N'as-tu pas de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables, et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur? Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites? De sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres usuriers. Ôte-toi de mes yeux, Coquin. Ôte-toi de mes yeux. Qui est plus criminel, à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin? Ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, te dis-je. Et ne m'échauffe pas les oreilles! Je ne suis pas fâché de cette aventure. Ce m'est un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ces actions. Monsieur! Attendez un moment! Je reviens vous parler. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il ait quelque part un ample magasin de hard. Car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. C'est toi, mon pauvre La Flèche. D'où vient cette rencontre? Ah, c'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre en rente que l'intrigue et que l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui. Je traite pour lui une petite affaire dont j'espère une récompense. De lui? Ah, ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet et tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance en parole et de l'amitié tant qu'il vous plaira. Mais de l'argent, point d'affaire. Il n'y a rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne », mais « je vous prête le bonjour ». Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle, ici! Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout le monde. Et l'on pourrait crever qu'il n'en branlerait pas! En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu. Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son endroit mortel, c'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles. Et si... Mais il revient. Je me retire. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Rosine? Ah, mon Dieu! Que vous vous portez bien! Et que vous avez là un vrai visage de santé! Qui, moi? Jamais je ne vous vis ainsi frais et si gaillard!
Tout bon? Comment vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60, bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien quoi, c'est la fleur de l'âge. Vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mes 20 années de moins pourtant ne me feraient point de mal que je crois. Vous moquez-vous, vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Je le crois. Assurément. Vous en avez toutes les marques. Et tenez-vous un peu. Ah. Et voilà, bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute, montrez-moi votre main. Ah, mon Dieu, quelle ligne de vie! Comment? Ah, mais ne voyez-vous pas, j'ai couvert cette ligne-là. Mais eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais par ma foi, je disais 100 ans, mais... Vous passerez les 6-20. Est-il possible? Faudra vous assommer, vous dis-je. Et vous mettrez en terre vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux! Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Me voit-on mêler de rien dans une veine à boule? Et surtout pour les mariages, un talent merveilleux. Il n'est pas de partie au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le grand turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci, comme je commerce chez elle. Je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous, et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Donc, qui a fait répondre? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage, qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti, sans peine. Elle me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au seigneur Anselme. Et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit, après dîner, rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte, d'aller faire un tour à la foire, pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse, que je leur prêterai. Voilà, justement, son affaire. Mais Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle s'aidât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-là, car encore, n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Maman, c'est une fille qui nous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes. Et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondée perpétuelle, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et ça ne va pas à si peu de choses qu'il le monte bien tous les ans à 3 000 francs, pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple et n'aime pas les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux, où donne ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. J'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40, 20 000 francs cette année, mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 francs au jeu par an, 4 000 francs en habits et bijoux, ça fait 9 000 livres et 1 000 écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année, vaut 12 000 francs, bien compté. Cela n'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi. Mais n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition un grand fond de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Je vous toucherai assez. Elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître. Il faudra voir cela. Mais Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Oh, que vous la connaissez mal! Ah, c'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Elle n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Mais oui, elle.
Deux, je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Elle n'est pas plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard. Avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et, je vous avertis, n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Il n'y a pas 4 mois encore qu'étant prête d'être mariée. Elle rompit tout net le mariage. Sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans. Ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Et cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux, quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris et des Apollon. Non. Le beau portrait de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchise, sur les épaules de son fils. Mais cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Ouais, belle drogue que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Pour moi, je n'y comprends pas. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Peut-être Wolfiefé. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sont-ce des hommes que de jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours. Avec leur ton de poule l'été, leurs 3 petits bras de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques d'étoupe, leurs autres choses tout tombant, et leurs estomacs débraillés! C'est bien bâti auprès d'une personne comme vous! Un homme, ça! Il y a là pour satisfaire à la vue. C'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment? Vous êtes à ravir. Votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Je ne peux pas mieux. Que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, lisse. Et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai point de grand, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Ça n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal. Vous avez grâce à tousser. Et dis-moi, Marianne ne m'a-t-elle point encore vue? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne. Et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ça lui serait d'avoir un mari comme vous. Que bien faire. Et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelques bontés pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Que vous lui plairez. Que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haute sauce, attachée au pourpoint, avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Et un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux. Certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès, mais d'une conséquence tout à fait grande, je suis ruiné si je le perds et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était avant d'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied. Je vous en serai éternellement obligé. Adieu, je vais achever mes dépêches. Je vous assure, monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager
dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Vous n'importunerez pas si je ne suis pas le forcer par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonheur pour ne vous point faire malade. Ne refusez pas la grâce, or, tout seul ici, vous ne sauriez pas, monsieur le président. Je m'en vais, voilà qu'on m'appelle, jusqu'à tantôt. La fièvre de serre, chien de vilain, tous les diables. L'ordre a été ferme à toutes mes attaques, mais il ne faut pas pourtant quitter la négociation de l'autre côté, en tout cas, où je suis assuré de tirer bonne récompense. Son emploi. Approchez, Dame Claude. Commençons par vous. Bon. Vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout, prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Outre cela, je vous constitue pendant le souper au gouvernement des bouteilles. Et s'il s'en écarte quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le ramasserai sur vos gages. Châtiment politique. Allez. Vous, Bradavoine, et vous, la merluche. Je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire. Mais seulement lorsque l'on aura soif. Et non pas selon la coutume de certains impertinents de laquais qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsqu'on n'y songe pas. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois. Et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Oui, le vin pur monte à la tête. Citronosicni, monsieur. Oui. Lorsque vous verrez venir les personnes, et gardez bien de gâter vos habits. Vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint est couvert d'une grande tache de l'huile de la lampe. Et moi, monsieur, que j'ai mon autre chose tout troué par derrière et qu'on me voit révérence parler. Père, rangez cela adroitement du côté de la muraille et présentez toujours le devant au monde. Et vous tenez toujours votre chapeau ainsi lorsque vous servirez. Pour vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira et prendrez garde qu'il ne s'en fasse aucun dégât. Cela s'y est bien, ô fille. Mais préparez-vous cependant à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis ? Oui, mon père. Et vous, mon fils, le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt. Ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père ? Mauvais visage ? Mais par quelle raison ? Mon Dieu, nous savons le train des enfants dont le père se remarie et de quel œil ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère. Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière fredaine, je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qui vous sera possible. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère.
je mentirais si je vous le disais. Mais pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Prenez-y garde au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas lieu de vous en plaindre. Vous ferez sagement. Valère, aide-moi à ceci. Approchez-vous, maître Jacques. Je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Et au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Mais quel diantre de cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille. Bon, dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable, toujours de l'argent. Il semble qu'il n'ait autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, ils n'ont que ce mot à la bouche. Il a toujours parlé d'argent. Voilà leur épée de chevet, de l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde et il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant. Mais pour agir à l'homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent? Oui. Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous séant d'être le factotum. Taisez-vous, qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur, votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Aïe! Je veux que tu me répondes. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8 ou 10. Mais il ne faut prendre que 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Cela s'entend. Bien, il faudra 4 grands potages bien garnis et 5 assiettes d'entrée. Potage bisque, potage de perdrix au chou vert, potage de santé, potage de canard au navet, entrée, fricassée de poulet, tourte de pigeonneau, riz de veau, boudin blanc et morille. Et que diable, voilà pour traiter toute une ville entière! Vaut dans un grand dessin de bassin, en pyramide, une grande longe de veau de rivière, 3 faisans, 3 poulards de grâce, 12 pigeons de volière, 12 poulets de grain, 6 lapins de garenne, 12 perdreaux, 2 douzaines de cailles, 3 douzaines d'ortolans. Très bon, tu manges tout mon bien! Autre main! Encore! Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Monsieur a-t-il invité les gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous en lire un peu les préceptes de la santé. Et demandez au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Que pour se bien montrer ami de ce que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, 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 oh. Oh, que cela est bien dit. Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Mmh. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger, et non pas manger pour... Non, ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui. Entends-tu? Quel grand homme qui a dit cela? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Fais donc. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord. Quelques bons haricots bien gras avec quelques pâtés en pot bien garnis de marrons. Reposez-vous sur moi. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez! Ceci s'adresse au cocher. Vous dites qu'il
faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la fois... Vos chevaux ? Monsieur ? Par ma foi, ils ne sont point du tout en état de marché. Je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière. Les pauvres bêtes n'en ont point, et ce serait fort mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeûnes si austères que ce ne sont plus rien que des idées ou des fantômes. Des façons de chevaux. Les voilà bien malades, ils ne font rien. Et pour ne rien faire, monsieur, est-ce qu'ils ne font rien manger? Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup, de manger de même. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux qu'il me semble que c'est moi-même quand je les vois pâtir. Je monte tous les jours pour eux, les choses de la bouche. Et c'est être, monsieur, d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain. Le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire. Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener. Et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse, qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes, hein? Monsieur, j'obligerai le voisin Le Picard à se charger de les conduire. Aussi bien me fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper. Soit! J'aime mieux encore qu'il meure sous la main d'un autre que sous la mienne. Maître Jacques fait bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Mais monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Et je vois bien que ce qu'il en fait, que ces contrôles perpétuels sur le pain et le vin, le bois, le sel et la chandelle, ne sont que pour vous gratter et vous faire sa cour. J'en rage de cela. Et je suis fâché tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous. Car enfin, je me sens pour vous de la tendresse, en dépit que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, Maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur. Si j'étais assuré que cela ne vous fâcha point? Non, en aucune façon. Pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Pas du tout, au contraire, c'est me faire plaisir et je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirais franchement qu'on se moque partout de vous. Qu'on nous jette de tous côtés sans brocard à votre sujet. Et qu'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux chausses et de faire sans cesse des comptes de votre lésine. L'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers, où vous faites doubler les quatre temps et les vigiles afin de profiter des jeûnes où vous obligez votre monde. L'autre, que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie d'avec vous pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-là compte qu'une fois, vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Celui-ci, que l'on vous surprit une nuit en venant vous-même dérober l'avoine de vos chevaux et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin... voulez-vous que je vous dise? On ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais l'on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesse Mathieu. Vous êtes un sot, un maraud, un coquin et un impudent. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné, vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. À ce que je puis voir, Maître Jacques, on paie mal votre franchise. Mort. Monsieur le nouveau venu qui fait l'homme d'important, ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera, mais ne venez point rire des miens. Ah, monsieur Maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Il file doux. Oh, je veux faire le brave. Et s'il est assez sot pour me craindre, le frotter quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi, et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Eh, doucement. Comment doucement?
Il ne me plaît pas, moi. De grâce. Vous êtes un impertinent. Monsieur Maître Jacques. Il est bon de me soumettre Jacques pour un double. Si je prends un bâton, je vous grosserai d'importance. Comment? Un bâton? Je ne parle pas de cela. Ça arrive bien, monsieur le Fat, que je suis homme à vous rasser vous-même. Je n'en doute pas. Que vous n'êtes pas tout potage qu'un fracas de cuisinier. Je le sais bien. Et que vous ne me connaissez pas encore. Pardonnez-moi. Vous me le rasserez? Je le disais, en raillant. Ah. Et moi, je ne prends point de coup à votre mari. Apprenez que vous êtes un mauvais railleur. Peste soit la sincérité, c'est un mauvais métier. Désormais, j'y renonce. Et je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître. Il a quelques droits de me battre. Mais pour ce monsieur, l'intendant, je me vengerai si je puis. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie que nous sommes ici. Ah! Je suis frosine dans un étrange état. Et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous. Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais votre mine, que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose, Frosine, dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais pas quel il est. Mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer, que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époque que l'on veut me donner. Mon Dieu, tous ces blondes-là sont agréables. Ils débitent fort bien leurs faits, mais la plupart sont gueux, comme des rats. Il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Oh. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis. Qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, mettra en état d'en prendre un plus aimable, qui réparera toute chose. Oh, mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire, lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Et vous, vous n'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve. Bientôt. Ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Voici, en propre personne. Oh, oh, oh Frosine, quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle. Si je viens à vous, avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez, les yeux sont assez visibles de même et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Frosine, elle ne répond pas. Elle ne témoigne, ce ne semble aucune joie de me voir. Elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte de témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Voilà ma fille belle mignonne qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire, et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande. Mes mauvaises herbes croient toujours. Oh, l'homme déplaisant.
Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Quel animal! Je me suis trop obligé de ces sentiments. Je n'y puis plus tenir. Ah, voilà mon fils aussi, qui vous vient faire la révérence. L'aventure est merveilleuse. Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais je serai bientôt défait, et de l'un et de l'autre. Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessein qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Et je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix. Et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi. Et c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis assuré que vous serez personne pour le prendre comme il faudra. Que c'est un mariage, madame, où vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance. Que vous n'ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes intérêts. Et que vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cet hymen ne se ferait point. Voilà un discours bien impertinent, quelle belle confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire... les choses sont fort égales. Et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner cette inquiétude. Je serais fort fâchée de vous causer du déplaisir. Et... si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai pas au mariage qui vous chagrine. Elle a raison. À ce compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit. Je vous promets que tout ce qu'il m'a dit ne m'a pas du tout offensée. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'exprimer ainsi ce véritable sentiment. J'aime de lui un aveu de la sorte. Et s'il avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien moins. C'est beaucoup de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le temps le rendra plus sage et vous verrez qu'il changera de sentiment. Non, mon père, je ne suis pas capable d'en changer et je prie instamment madame de le croire. Mais voyez quelle extravagance, il continue encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Encore, avez-vous envie de changer de discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez madame que je me mette ici à la place de mon père. Et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire. Et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse. Et les obstacles les plus puissants... Doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous à madame. Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même. Et je n'ai pas besoin d'un procureur tel que vous. Donnez des sièges. Non, il vaut mieux que de se battre nous allons à la fois, afin d'en revenir plus tôt, et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir. Remettons les chevaux au carrosse. Je vous prie de m'excuser, la belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'ai pourvu, mon père. J'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, de citrons doux et de confitures que j'ai envoyé guérir de votre part. Valère, il a perdu le sens. Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez? Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il lui plaît. C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt?
voit. Il est vrai, tu brilles beaucoup. Il faut que vous le voyiez de près. Oh, il est fort beau, sans doute. Et jette quantité de feu. Léni, madame, il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous a fait. Moi ? N'est-il pas vraiment clair que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous ? Comment ? Belle demande, il me fait signe de vous le faire accepter. Je ne veux pas ! Vous moquez-vous, il la garde de le reprendre. Garal ! La grâce ! Non, vous dites, c'est l'offensé ! Serait ! Rien du tout ! Laisse-moi ! Voilà qui se scandalise de votre refus ! Arrête ! Vous voyez qu'il se désespère ! Courant que tu es ! Mon père, ce n'est pas ma faute, je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais il est obstiné ! Pas bien ! C'est cette cause, madame, que mon père me querelle ! Vous le ferez tomber, madame, de grâce, madame ! Résistez point davantage. Mon Dieu. De toute façon, gardez la bague, puisque monsieur le veut. Vous ne vous pouvez me mettre en colère. Je la garde maintenant. Et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler. Dites-lui que je suis empêché, qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je vous demande pardon, je reviens tout à l'heure. Je suis mort! Qu'est-ce, mon père? Vous êtes bouffé mal! Le traître, assurément, a reçu de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le cou. Cela ne sera rien. Monsieur, je vous demande pardon. Je croyais bien faire d'accourir vite. Que viens-tu faire ici, bourreau? Vous dire que vos deux chevaux sont déferrés. Et qu'on les mène promptement chez le maréchal! En attendant qu'ils soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis et conduire madame dans le jardin où je ferai porter la collation. Venez ! Et appelle-le à tout cela. Et François, je te prie de m'en sauver le plus que tu pourras afin de le renvoyer au marchand. C'est assez. Au fils impertinent, as-tu envie de me ruiner ? Comme vous, et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureuses gens, l'un et l'autre, et m'avoir pas avant tout ceci averti de votre affaire. Vous aurez sans doute détourné cette inquiétude et n'aurez point amené les choses où l'on voit qu'elles sont. Que veux-tu ? C'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais belle Marianne, quelle résolution sont les vôtres ? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits? Point de pitié officieuse? Point de secourable bonté? Point d'affection agissante? Que saurais-je vous dire? Mettez-vous en ma place et voyez ce que j'ai pu faire. Avisez, ordonnez vous-même, je m'en remets à vous. Et je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. Hélas, où me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance? Mais que voulez-vous que je fasse? Oh. Quand
Je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé. J'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême. Et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle. Employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez. Je vous en donne la licence. Et s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Oh. Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir ? À ma foi, faut-il le demander ? Je voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a pas fait l'âme de bronze. Je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services quand je vois des gens qui s'entraînent en tout bien et en tout honneur. Que pourrions-nous faire à ceci ? Mais songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est pas tout à fait déraisonnable et peut-être pourrait-on la gagner, la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Mais cela s'entend. Je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse et qu'il ne sera pas d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refus vint de lui-même. Et tâcher par quelques moyens de le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Ben oui, j'ai raison, je le sais bien. C'est là ce qu'il faudrait. Mais le diantre est d'en pouvoir trouver les moyens. Attendez. Si nous avions quelques femmes, un peu sur l'âge, qui fut de mon talent, jouent assez bien pour contrefaire une dame de qualité par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un bizarre nom de marquise ou de vicomtesse que nous supposerions de la Basse-Bretagne, j'aurais assez d'adresse pour faire accroire à votre père que ce serait une personne riche, outre ses maisons de 100 000 écus, en argent comptant, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait de se voir sa femme jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Je ne doute pas qu'il me prête à l'oreille à la proposition, car en vrai, il vous aime fort, je le sais bien, mais il aime un peu plus l'argent. Quand ébloui de ce leurre, il aurait une fois consenti à ce qui vous touche. Il importerait peu ensuite qu'il se désabusa en venant à vouloir voir clair aux effets de notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire. Je viens de me souvenir d'une de mes amies qui sera notre fête. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose. Mes charmantes Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette amitié qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les grâces éloquentes et les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux et dans votre bouche. Et n'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces douces prières, de ces caresses touchantes et de ces tendres paroles à qui je suis persuadé qu'on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Ouais, mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère là-dessous ? Voilà mon père ! Le carrosse est tout prêt. Vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, demeurez ! Elles iront bien toutes seules. Et j'ai besoin de vous.
Oh, ça, mon fils. Intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble? Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Ah, là. Mais encore? Je vous en parler franchement, je n'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette, sa taille est assez gauche, sa beauté très médiocre et son esprit des plus communs. Ne croyez pas, bon père, que ce soit pour vous importuner, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Tu lui disais Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle? Moi? Point du tout. J'en suis fâché. Car cela rompt une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait, en la voyant ici, réflexion sur mon âge. Et j'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir marié à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessein, et comme je l'ai fait demander, et que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donné. Sans l'aversion que tu témoignes. À moi? À toi. En mariage? En mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût. Mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser si vous voulez. Ma foi, je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est point. Et c'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite. Et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, du côté de l'homme, il ne faut point risquer l'affaire. Et ce sont des suites fâcheuses où je n'ai garde de me commettre. Si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur, il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime! Depuis un jour que je la vis dans une promenade, que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois. Assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais, et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Sans doute. Et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Oui, fort civilement. Et la fille? Correspond-elle fort à votre amour? Si je dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Et voilà justement ce que je demandais. Oh, si mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous me jouez. Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne. Qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête. Et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours peut-être qui combattront pour moi. Comment, Pandard, tu as l'audace d'aller sur mes brisées? C'est vous qui allez sur les miennes et je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père et ne me dois-tu pas respect? Ce ne sont point ici des choses où les enfants soient obligés de déférer au père. Et l'amour ne connaît personne. Je te ferai bien me connaître avec de bons coups de bâton. Toutes vos menaces ne me feront rien. Tu renonceras à Marianne? Point du tout! Donnez-moi un bâton tout à l'heure!
messieurs, messieurs, quoi songez-vous? Je n'en demanderai pas. Monsieur, doucement. Ne parlez avec cette impudence. Monsieur de grâce. Je meurs de cela. Et quoi, votre père? Laisse-moi faire. Et toi, à votre fils. Encore passe pour moi. Je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cette affaire, pour montrer comme j'ai raison. J'y consens. Éloignez-vous. Un peu. J'aime une fille que je veux épouser, et le pandard a l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre malgré mes ordres. Ah! N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père? Et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison! Laissez-moi lui parler et demeurez là. Eh bien oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, je n'y recule point. Il ne m'importe qui ce soit, et je veux bien aussi me rapporter à toi, maître Jacques, de notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes voeux et reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Il a tort, assurément. N'a-t-il point de honte, à son âge, de songer à se marier? Lui sait-il bien d'être encore amoureux? Et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison! Il se moque! Laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous le faites, et lui donner quelques personnes en mariage dont il ait lieu d'être content. Ah, dis-lui, maître Jacques, que moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi, et que, hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère, qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir. Et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez. Vu que vous vouliez vous y prendre par la douceur et lui rendre les déférences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, maître Jacques, tu lui peux assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Cela est fait. Il consent à ce que vous dites. Voilà qui va le mieux du monde. Tout est conclu, il est content de vos promesses. Oh, le ciel en soit loué! Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble, vous voilà d'accord maintenant. Et vous alliez vous quereller, faute de vous entendre. Mon pauvre maître Jacques, je te sais obligé toute ma vie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Ça m'a fait grand plaisir, maître Jacques. Et cela mérite une récompense. Voilà. Je m'en souviendrai. Je t'assure. Je vous baise les mains. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Ce n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi, ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances? C'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te ranges. Je vous promets, mon père, que jusque au tombeau,
Je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose au monde que de moi tu n'obtiennes. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Maman, je dis mon père que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qui est-ce qui parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père. Moi? Sans doute. Comment, c'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, y renoncer? Oui. Point du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre? Au contraire, j'y suis porté plus que jamais. Quoi, Pandard? De rechef? Rien ne me peut changer. Laisse-moi faire traître. Fais tout ce qu'il vous plaira. Je te défends de me jamais voir. À la bonne heure. Je t'abandonne. Abandonné. Je te renonce pour mon fils. Tout ce que vous voudrez. Je te déshérite. Soit. Et je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Un monsieur que je vous trouve à propos. Suivez-moi, vite! Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je! Nous sommes bien! Quoi? Voici votre affaire! Comment? J'ai guigné ceci tout le jour! Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père! Que j'ai attrapé! Comment as-tu fait? Où sont les tous? Ah, sauvons-nous! J'ai l'entendu crier! On m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pouvais courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans les faire. N'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent, ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés! Mais je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble à mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce,
De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont peur sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite. Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après, après. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols. Je voudrais avoir autant de 5000 francs que j'ai fait pendre de personnes. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si l'on me fait retrouver mon argent, je demanderai justice de la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette... 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus ? 10 000 écus. Non, non, les considérables. Il n'y a pas de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelles espèces était cette somme ? En bon louis d'or et pistoles bien trébuchantes. Qui soupçonnez-vous de ce vol ? Tout le monde. Et je veux que vous arrêtiez le prisonnier et la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne et tâcher doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder après, par la rigueur, au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Je m'en vais revenir. Qu'on me les gorge tout à l'heure. Qu'on me les fasse crier les pieds. Qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé? Oh, oh, oh! Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Il n'est pas question de cela. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose! Ne vous épouvantez pas! Je suis homme à ne vous point scandaliser. Et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper! Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Mais pas là l'affaire! Si je ne pouvais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a renié les ailes avec les ciseaux de son économie. Traître. Il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin. Et je m'en vais pour pauvre si tu ne me le rends. Mon Dieu, ne le maltraitez pas. Je vois 5000 qu'il est honnête homme et que, sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous professez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Il n'est pas que vous nous sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré, c'est on, il est le favori. On n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Mais as-tu terminé? Laissez-le faire! Il se prépare à vous contenter. Je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses... Je crois que c'est monsieur, votre cher intendant, qui a fait le coup. Valère ! Oui. Lui, qui me paraît si fidèle. Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu ? Sur quoi ? Oui. Je le crois. Sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, vraiment. Où était-il, votre argent? Dans le jardin. Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Voilà l'affaire, je lui ai vu une cassette. Et cette cassette, comment est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite
Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend, mais dépeignez-la un peu pour voir. C'est une grande cassette. Faite comme un volet, petite. Eh oui, elle est petite. Si on le veut prendre par là, mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est de couleur là, une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider à dire? N'est-elle pas rouge? Non, gris. Eh oui, gris-rouge. C'est ce que je voulais dire. C'est elle, assurément. Il n'y a pas de doute. Écrivez, monsieur. Écrivez sa déclaration. Ciel! À qui désormais je fier? Il ne faut plus jurer de rien. Et je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même. Monsieur, le voici qui revient. Ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela. Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment, traître? Tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je veux parler? Infâme, comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser, l'affaire est découverte. Et l'on vient de m'apprendre tout! Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. Oh, oh, aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler, et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il en est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Et quelle belle raison peux-tu me donner, voleur alpha? Ah, monsieur! Je n'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous, mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment pardonnable? Un guet-apens! Un assassinat de la sorte! De grâce! Ne vous mettez point en colère. Quand vous m'aurez oui, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais? Quoi, mon sang, mes entrailles, pendant! Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort. Et il n'y a rien dans tout ceci que je ne puisse bien réparer. C'est bien mon intention et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Et dis-moi un peu, qui t'a porté à cette action? Hélas, me le demandez-vous? Oui, vraiment, je te le demande. Un dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour. Oui, bel amour. Bel amour, ma foi. L'amour de Melwidor. Ah, non, monsieur, ce ne sont pas vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. L'on ferait par tous les diables. Je ne te le laisserai pas, mais voyez quelle insolence de vouloir me retenir le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous cela un vol? Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là. C'est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Mais je ne ferai rien que c'est-à-dire cela. Nous nous sommes promis une foi mutuelle et avons fait serment de ne nous point abandonner. Le serment admirable et la promesse plaisante. Nous nous sommes engagés entre l'un à l'autre à jamais. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne nous peut séparer. C'est être bien endiablé après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, que ce n'était point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez. Et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Mais je donnerai bon ordre. Et la justice, pendant effronté, me va faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez. Et me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Mais je vous prie de croire au moins que
S'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser. Et que votre fille, en tout ceci, n'est aucunement coupable. Je crois bien vraiment qu'il serait fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux revoir mon affaire. Et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi, je ne l'ai point enlevée et elle est encore chez vous. Oh, ma chère Cassette! Elle n'est point sortie de ma maison? Non, monsieur. Et dis-moi un peu, tu n'y as point touché? Moi y toucher. Ah, vous lui faites tort aussi bien qu'à moi. Et c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlée pour elle. Brûlée pour ma cassette? J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Et être sage et trop honnête pour cela. Ma cassette, trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure et elle vous peut rendre témoignage. Quoi, ma servante est complice de l'affaire? Oui, monsieur. Elle a été témoin de notre engagement. Et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? Que nous brouilles-tu ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui? De votre fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, comme de ma part, je lui en ai signé une. Oh ciel. Autre disgrâce! Écrivez, monsieur! Écrivez! Redressement de mal! Surcroît de désespoir! Allons, monsieur, faites le duc de votre charge et dressez-moi son procès comme larron et comme suborneur! Ce sont des noms qui ne me sont point dus et quand on saura qui je suis. Fille scélérate, fille digne d'un père comme moi, c'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données? Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement? Mais vous serez trompés l'un et l'autre. Quatre bonnes murailles me répondront de ta conduite et une bonne potence me fera raison de ton audace. Ce ne sera pas votre passion qui jugera l'affaire et l'on m'écoutera au moins avant que de me condamner. Je me suis abusé de dire une potence et tu seras roué tout vif. Ah mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Ne vous laissez point entraîner au premier mouvement de votre passion et donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui lorsque vous saurez que sans lui, vous ne m'auriez plus il y a longtemps. Oui. Mon père, celui qui me sauva de ce grand péril, que vous savez que je courus dans l'eau, et à qui vous devez la vie de cette même fille. Tout cela n'est rien. Et il valait bien mieux pour moi qu'il te laissa noyer que de faire ce qu'il a fait. Mon père, je vous conjure par l'amour paternel. Non, je ne veux rien entendre. Et il faut que la justice fasse son devoir. Tu paieras mes coups, patron. C'est un étrange embarras. Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voilà bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien. On m'assassine dans l'honneur. Et voilà un traître, un scélérat qui a violé tous les droits les plus saints, qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et pour me suborner ma fille. Qui songe à votre argent dont vous me faites un gain, Mathias? Oui,
Ils se sont donné l'un et l'autre une promesse de mariage. Cet affreux vous regarde, Seigneur Anselme, et c'est vous qui devez vous rendre partie contre lui et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence. Ce n'est point mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les embrasser ainsi que les miens propres. Voilà, monsieur, qui est un honnête commissaire, qui n'oubliera rien à ce qu'il m'a dit de la fonction de son office. Chargez-le comme il faut, monsieur, et rendez les choses bien criminelles. Je ne vois pas quel crime on ne peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et le supplice, où vous croyez que je puisse être condamné pour notre engagement lorsqu'on saura ce que je suis? Je me moque de tous ces comptes. Et le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils servissent de prendre. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi, et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Dobo, prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Je ne suis point homme à rien craindre. Et si Naples vous est connu, vous savez qui était Don Thomas d'Albursi? Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Je ne me soucie ni de Don Thomas, ni de Don Martin. De grâce, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui. Allez-vous vous moquer? Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Songez à mieux parler. Ce n'est point une imposture et je n'avance rien qu'il ne me soit aisé de justifier. Quoi, vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Albursi? Oui, je l'ose. Et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans pour le moins que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui en firent exiler plusieurs nobles familles. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol, et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Apprenez que le capitaine de ce vaisseau, touché de ma fortune, prit amitié pour moi, qu'il me fit élever comme son propre fils, et que les armes furent mon emploi dès que je me trouvais capable, que j'ai su depuis peu que mon père n'était point mort comme je l'avais toujours cru. Que passant ici pour l'aller chercher, une aventure par le ciel concerté me fit voir la charmante Élise, que cette vue me rendit esclave de ses beautés, et que la violence de mon amour et les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer un autre à la quête de mes parents. Oui, mais... Quel témoignage encore, autre que vos paroles, nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité. Le capitaine espagnol a caché le rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce domestique qui se sauve avec moi du naufrage. Hélas, à vos paroles, je puis ici répondre, moi, que vous n'imposez point. Et tout ce que vous dites me fait clairement connaître que vous êtes... mon frère. Ma sœur. Oui. Mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche. Et notre mère, que vous allez ravir, m'a mille fois entretenu des disgrâces de notre famille. Le ciel ne nous fit point aussi périr dans ce triste naufrage, mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté. Et ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. Après 10 ans d'esclavage... Une heureuse fortune nous rendit notre liberté et nous retournâmes dans Naples où nous trouvâmes tout notre bien vendu sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession qu'on avait déchirée. Et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle...
vint en ces lieux, où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante. Ô ciel, quels sont les traits de ta puissance et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous de vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père? C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, ma fille. Oui, mon fils. Je suis Don Thomas d'Alpurcy. Oh. Que le ciel garantit des ondes avec tout l'argent qu'il portait. Et qui, vous ayant tous cru mort durant plus de 16 ans, se préparait, après de longs voyages, à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours. Et, ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis habitué ici, où sous le nom d'Anselme, j'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses. C'est là votre fils? Oui. Je vous prends à partie pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui, vous avoir volé? Lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis? Vous voyez que je ne dis rien. Voici, monsieur le commissaire qui a reçu sa déposition. Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche? Capable ou non capable, je veux avoir mon argent. Ne tourmentez pas, mon père. Et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous en mettez point en peine. Il est en lieu dont je réponds. Et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez, et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage, et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, et que le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir. Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos voeux. Seigneur Harpagon. Non. Vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Allons, ne vous faites point dire ce qu'il n'est point nécessaire d'entendre et consentez ainsi que moi à ce double mêlé. Il faut, pour me donner conseil, que je voie ma cassette. Vous la verrez saigne entière. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux. Que cela ne vous inquiète point. Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui, pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un habit. D'accord. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Voilà, monsieur Ola. Tout doucement, s'il vous plaît. Qui me paiera mes écritures? Mais nous n'avons que faire de vos écritures. Et je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour rien. Pour votre paiement, voilà un homme que je vous donne à pendre. Hélas, comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai. Et on me veut pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez donc le commissaire. Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère cassette? Oui.
Thank you.